Frère, on t'avait pas vu depuis au moins un mois. Hello tout le monde, je suis trop contente puisqu'aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo mes indispensables. Et aujourd'hui ça va être mes indispensables de l'automne, mes versions 2019. C'est une catégorie de vidéos qui a l'air de beaucoup vous plaire, donc je suis trop contente parce que moi aussi. Je savais pas trop si j'allais la faire cette année puisque bah je l'ai déjà faite l'an dernier. Puis en fait je me suis rendu compte que j'ai des nouveaux indispensables. Donc je me suis dit bah let's go, c'est parti. Comme à chaque fois je vais vous emmener un petit peu partout chez moi. Et trêve de blabla et zé. On va commencer par les soins, et quand on atteste les petits poissons en arrière-plan, les petits poissons dans l'eau, on est dans ma salle de bain. Et j'ai trois petits produits que j'aimerais vous montrer, que je ne cesse d'utiliser. Je suis en train d'essayer de m'axer vers une routine plus naturelle. Bon, elle est encore loin d'être naturelle, mais je tente des trucs. Et j'ai vu sur plusieurs sites que l'huile de jojoba était très très bonne pour l'acné et les peaux grasses et tout ça. Et en fait, si, j'ai testé, et effectivement, ça régule mon sébum. Donc c'est génial. Là, j'ai pris une Avril, hein, qui est bio, qui est 100% pure. Et de l'huile de jojoba basique. Et en gros, ce que je fais, ça je l'utilise le soir, après m'être démaquillée, bien laver le visage et tout blabla. Je mets quelques gouttes sur mes petits doigts, ensuite tic 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 et tic 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 tic. Première chose que j'ai remarqué, parce que ça fait genre un mois que... Non, trois semaines que je fais ça, j'ai pas eu de poussée d'acné. En tout cas, pas plus, quand d'habitude. Et j'ai l'impression que j'ai la peau moins grasse. Voilà, je teste ça. J'ai aussi tenté de mettre... Alors ça, faut toujours se méfier un peu avec les huiles essentielles. Donc faut d'abord tester ailleurs que sur la tronche. Mais je tente aussi des fois le soir de rajouter dedans une ou deux gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Et ma peau a l'air d'apprécier. J'ai lu plusieurs trucs dessus. Il paraît que c'est quand même pas trop mal pour l'acné. Écoutez... Je pense que je vais racheter de l'huile d'herbe parce que ça c'est l'idéal pour les boutons d'acné que j'avais acheté sur Beauté Privée du coup, comme ça c'était moins cher. Nage. Et qui dit automne dit, surtout en ce moment j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus froid, sa mère là. J'ai deux produits pour les lèvres, un pour le jour et un pour la nuit. Ça c'est un stick que j'utilisais quand j'étais au collège, je l'ai ressorti et je l'aime en fait toujours autant, je sais même pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. C'est le stick au beurre de karité de la marque Yves Rocher, c'est pas cher. Et ça marche très très bien, et ce que j'adore, c'est pour ça que je le mets le jour, c'est qu'il a pas un effet trop glossy, trop brillant, et il est pas hyper gras, et pourtant il nourrit vraiment bien les lèvres, donc vraiment celui-ci au top, je l'utilise tous les jours. Et pour la nuit, j'utilise un truc encore plus nourrissant, je l'ai pris parce que j'ai réussi à me le trouver encore une fois sur Beauté Privée, promis ce n'est pas un placement de produit, mais c'est là que je trouve des pépites. Donc c'est le baume à lèvres Rêve de Miel de chez Nuxe, il est ultra connu et super nourrissant, donc j'adore l'utiliser la nuit. En plus, ils sont super bons le miel. En même temps, il est au miel. Et il renourrit encore plus aux profondeurs. Donc ça, j'en tartine bien partout. Comme ça, ça dépasse. C'est pas grave, je dors toute seule. On s'en fout. On va passer... Vous me connaissez. Mode cocooning, mode chill, un plaid, un thé, une série. Qu'est-ce qui manque à tout ça? Bah oui, une combinaison mout-mout, pardi. Et j'en ai une nouvelle que... Oh, c'est une combinaison Bambi. Non mais c'est pas trop kiki. Et trop belle, et toute douce, et trop confortable combinaison Bambi. Alors elle vient de chez Undies, mais je ne l'ai pas achetée chez Undies. Elle est sur l'application Vinted, et je l'ai trouvée du coup. Elle était neuve, avec étiquette jamais portée. Je l'ai achetée à moins 50% du coup. Elle est si douce, elle est trop choupie. Et, ah mais je croyais qu'elle avait une queue. Ah oui mais non, mais tu parles d'une queue toi. Voilà, je la mets, je la lave, je la remets. Je range en même temps, hein. C'est ça que j'adore avec ces vidéos, c'est que... Bah du coup après j'ai rien à ranger. Coucou. Bon, les potes, l'heure est grave. Je pense que si tu me connais, tu sais que l'automne, c'est genre vraiment ma saison préférée. J'en ai chié à vous choisir quelques pièces. J'aurais pu en prendre 40 000 de plus. Enfin, 40 000, non. Margot, toujours en train d'hyperboliser. Ce pantalon, vous me voyez tout le temps avec parce que je l'aime trop. Dès qu'il est propre, pareil, je le remets. Un pantalon à carreaux gris avec des petites lignes bordeaux, je le trouve trop beau. Et ça, avec une petite casquette, un petit perfecto en simili-cuir. Bon, qui dit automne, malheureusement, il fait de plus en plus froid, donc je ne peux plus vraiment mettre mes t-shirts de groupe. Mais je peux ressortir ce sweat. Bon, c'était un gros sweat Nirvana, vraiment loose, je l'adore. Et je l'avais acheté sur Vinted. Et je sais plus d'où il vient, Fruit of the Loom. On peut tellement trouver de belles choses sur Vinted, faut vraiment que je vous fasse une vidéo... comme ça. Et dernier petit vêtement avant de repartir d'ici. Je vous l'ai présenté il y a deux semaines dans ma vidéo, je teste vraiment YesStyle, mais cette robe en fait. Dans la vidéo en plus je dis, oh je sais pas. Mais en fait j'adore, je fais que de la mettre, elle est trop belle, elle est classe, elle est super confortable, elle est toute douce. Elle est géniale, je la trouve super.
Blim, genre j'ai rien de plus à dire, elle est canon. Vraiment typiquement le genre de look que j'adore pour l'automne. Et non, je suis bête, j'ai failli oublier, mais bien évidemment, qui dit automne pour moi dit également collant à motif. Bon, particulièrement en ce moment, je mets des collants à motif avec des gros pois. Je vous ai mis des petites photos sur Instagram. Et je les avais achetés sur le site Loopsona. Ne les achetez pas là-bas, c'est un site de merde. Mais par contre, les collants Calzedonia, pour moi, c'est les meilleurs collants. Déjà, ils sont super beaux. Bon, ils sont chers. Mais c'est pas des collants qui se filent facilement. Hein. Faut y aller, faut genre avoir un chat qui fait ses griffes dedans. Hein, des collants à 10 balles ou 20 balles. Bon, j'ai voulu faire mon lit pour cette vidéo. Puis cette petite chose beaucoup trop mignonne s'est incrustée dans mon lit. Et j'ai pas envie de le déranger. En plus, il m'a ronronné. Tu connais la technique. Hein. Ouais, fais le chat mignon, ouais. Oh, il fait encore plus le chat mignon. Ah, c'est bon, je suis propre. Oh, qui se rappelle quand je filmais des vidéos ici? J'ai un souvenir d'il y a 4 ans qui m'est remonté dans la tête. Bref. Vidéo qui m'a été le plus demandée ces temps-ci. Un truc qui n'a rien à voir avec ce que je vous montre d'habitude, je trouve. En tout cas, cette année, ça m'attaque en pleine tronche. Je sais pas ce qui se passe, ça fait un mois que je suis dans la fameuse déprime automnale. Il y a des jours où vraiment, je ne sais même pas pourquoi, mais je suis pas bien du tout. Je suis hyper nostalgique. Bref, ça s'accompagne également de stress. Et j'ai cherché plein de trucs pour essayer de m'apaiser. Et j'ai trouvé un truc que j'utilise depuis maintenant, du coup, plus d'un mois en fait. Eh bien, j'ai trouvé une brume d'oreiller que je mets tous les soirs sur mes oreillers avant de dormir. Et ça m'apaise. Alors c'est pas miraculeux, hein. Si je suis angoissée, je suis angoissée, hein. C'est quoi la marque? Durance, et c'est celle à la fleur de coton. Oh, ça sent tellement bon, et c'est une odeur toute douce, en fait, ça sent le linge propre, mais à fond. Quand je sens que je suis pas bien, ou que je me réveille, il est 3h du mat, j'arrive plus à dormir, j'arrive pas à trouver une position, je suis pas bien, je mets ça un peu sur mon oreiller, ça m'aide. C'est pas miraculeux. On va parler très 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 rapidement de vestes, parce que c'est des vestes, je sais plus en fait, parce que je regarde jamais mes propres vidéos. Mais je crois que je vous les ai déjà montrées, mais je suis pas sûre. Bref, bon, celle-ci, ça je sais que oui, hein, mon petit perfecto en simili-cuir de chez Zara. Ça fait 2 années que je la mets. Et ce petit perfecto, en fait, c'est tous les perfectos. Hein. Ce petit perfecto de, ça venait de Léa Z Boutique, qui est rouge bordeaux. Je l'adore vraiment, elle est trop belle. Tada! Un petit perfecto, comme c'est étonnant, dis donc. Un marron cette fois en faudin qui venait de Zara apparemment. Allez, on passe à autre chose, mais devinez ce qu'on va aller voir. Bah, ne serait-ce pas les boots? Je n'aurais jamais cru filmer dans mon garage. De toute façon, j'ai qu'une paire de boots à vous montrer et c'est des boots que j'adore et je suis pas sûre de vous les avoir déjà montrés par ici. Il s'agit de ces petites boots cloutées, hein, comme d'habitude. Donc ces petites boots, je les avais reçues, c'était il y a un an maintenant je crois. C'est des boots qui venaient tout simplement de chez Pimkie et que j'adore parce que vous voyez, elles sont trouées ici et je les trouve trop belles. Ce problème, c'est qu'elles sont un peu grandes pour moi et vu qu'elles sont trouées, bah je peux pas mettre 3 paires de chaussettes comme je fais d'habitude. Bah, tu sais, je suis team 35 et du coup je prends toujours du 36 et je mets 3 paires de chaussettes. Mais je les trouve trop mimi et pour l'automne, c'est genre parfait. Bon, on va parler très rapidement de maquillage et vous me connaissez aussi, hein, les encres à lèvres mat. On a tout d'abord une petite encre à lèvres de chez NYX, c'est les NYX lingerie et du coup c'est la teinte embellissement et c'est tout simplement celle que je porte. Et un petit mauve nude que je trouve trop trop beau et j'aime vraiment bien les NYX lingerie parce qu'ils sont pas chers et bien pigmentés et ils tiennent plutôt bien. Je les trouve trop belles et je parle pas de moi, même si je dois admettre que je suis plutôt magnifique. Et la deuxième encre à lèvres, bon, pas du tout la même couleur, hein. C'est une encre de chez SLA et c'est la teinte David. Et bah David, je t'aime bien, hein, t'es plutôt sympa. Hein. C'est un rouge bordeaux, mais dans les tons vachement froids et pas trop foncés. Du coup, c'est pas vraiment un rouge bordeaux. Toujours été très forte pour décrire les couleurs, je trouve. Et c'est mat et j'adore les encres à lèvres SLA parce qu'elles sont super simples d'application. Elles tiennent super bien, ne dessèchent pas les lèvres. C'est vraiment mes encres à lèvres préférées. Hein. Le prix, un petit peu moins, mais du coup j'achète que pendant les Black Friday parce qu'il y a pas mal de réductions sur leur site. Voilà pour mes 2 petites encres à lèvres que je fais que de mettre cet automne. Ah bah non, tant qu'on est là, pourquoi je me casse moi? Oh Margot, tu pouvais pas faire genre c'est rangé un peu? Alors qui dit automne, chill, cocooning et surtout youtubeuse? J'adore les bougies, j'adore, j'adore. J'en ai 2 à vous montrer que je brûle tout le temps en ce moment. On en a une de chez Jewel Candle qui est la Cozy and Lazy. Mais moi je trouve que ça sent un peu le gâteau. Je me suis shootée là. Et la deuxième que j'aime tellement, elle, je me la suis achetée il y a pas longtemps parce qu'il y avait une vente privée sur Beauté Privée. Ils font souvent des ventes Yankee Candle et là, du coup, j'ai pu acheter celle-ci que j'aime tellement. C'est celle au beurre de karité, tout simplement. Et du coup, ça a une odeur super douce, super fraîche. Ah, j'aime pas quand ça fait ça, là, on dirait des champignons. Et on est de retour dans ma salle de bain. Non, mais je suis trop con, je vous ai dit que j'avais qu'un produit de maquillage, enfin que les encres à lèvres. J'ai aussi ce petit fond de teint que je voulais vous montrer, que j'ai ressorti là et que j'aime trop. Et c'est celui de chez The Body Shop, donc c'est les Skin Clarifying Foundation. C'est les fonds de teint mat à l'argile et dedans, t'as aussi de l'huile d'arbraté, donc en fait, c'est purifiant. En tout cas, ma peau le supporte très très bien. Elle a jamais fait de bouton avec ce fond de teint. Et c'est la seule marque de fond de teint où j'arrive, avec NYX aussi, où j'arrive à trouver ma teinte sans que ça fasse orange. Parce qu'en général, quand je prends les teintes les plus claires, et bah c'est quand même orange. En plus, il est couvrant sans faire d'effet plâtre. Il dit quoi, 24 heures longue tenue.
Mec, moi des fois au bout de 10 heures, il tient déjà plus, il me dit pas 24 heures. Voilà tout le monde pour mes petits indispensables de l'automne 2019. Je pense que je vous ai vraiment montré les choses, là je serais pas très contente si elle faisait plus partie de ma vie là. Bah après c'est futile, mais bon voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos indispensables à vous, que ça puisse peut-être me donner des idées. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao!